C'est un spectacle qui nous permet de tirer la conclusion, de tirer une sorte de trait un peu final de la réponse à la question « Qui sommes-nous ?» L'homme russe vit sur un immense territoire et dans ce pays qui, le 24 février 2022, a commencé une guerre d'agression en Ukraine. Parce qu'on a été obligé de quitter notre pays, on a été contraint de s'arracher à nos lieux. Et à partir de ces objets qu'on a emportés dans nos valises, justement, on a décidé de construire ce spectacle. Qu'est-ce que c'est que la matière? Qu'est-ce que c'est que la matière de ces objets qu'on a emportés? Qu'est-ce qui reste de nous entre ce matériel et ce non-matériel? Qu'est-ce qui reste de nous aujourd'hui et qu'est-ce qui reste de notre pays? Voilà ce dont nous allons parler. Donc on continue à travailler avec la vidéo, avec, à partir des objets. Il y aura beaucoup de mouvements sur scène, sans mots. Et je pense qu'il y aura aussi des images qui représenteront les monstres que nous sommes, en tout cas les monstres que nous avons en chacun d'entre nous. Ce spectateur comprend que lui aussi, il est comme ça et peut se dire, finalement, ça me parle à moi, ça parle de moi et ça peut parfois réparer un traumatisme. Il me semble que dans toutes ces personnes que vous verrez sur scène, il y a beaucoup de passion, cette passion russe.